GBV, yeah. Niggas on that got GBV, yeah. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouveau vlog. Ça sera le vlog du jour 1. Ce sera le vlog jour 1 de moi en Italie, du coup. Déjà là, je vais me laver parce que je vais me laver, je vais me coiffer, je vais me maquiller un peu parce que je ressemble à un zombie, ça fait peur. Voilà, j'espère que la qualité sera bien, ça change de ma caméra mais je vous ai expliqué et j'ai eu des péripéties. Hein. J'ai même honte, je sais même pas comment commencer à raconter. Mais bon bref, je vais sortir mes affaires. Donc je vais me préparer avec vous, je vais faire mes sourcils, je vais juste mettre de l'anti-cerne, faire mes lèvres et puis c'est tout. Donc je vais aller chercher mon make-up. Et je vais faire un bon tour de la chambre. J'ai tout mis dans une trousse comme ça et dans un truc en plastique parce qu'il faut. Les mecs de la douane, ils ont jeté ma cire. Ça veut dire parce qu'elle était trop grande. Enfin, elle était déjà utilisée, mais en fait, elle m'a expliqué que c'est le format qui était trop grand. Elle était obligée de jeter ma cire. Je vais quand même prendre mes petits cheveux devant là qui sont pas dociles. Pas dociles du tout. J'ai même pas de lac. J'ai rien. Je me suis dit, ça sert à rien. De toute façon, si j'ai ma cire, ça va et tout. C'est chaud là. Du coup, bah, je vais prendre du savon. Je vais faire du savon. J'aime pas la technique du savon. Mais I don't have any choice. Je vais prendre du savon là qui va être dans mon tête. J'espère que vous aimez bien la qualité, c'est pas pareil que ma caméra, je vais faire que l'heure de péter, mais j'ai oublié ma caméra chez moi quand j'ai fait mon deuxième aller-retour. Je vous explique, vu que je suis une fille bête, en fait j'étais trop dispersée, ça va pas comme ça, ça va pas du tout, mais bon là je vais laisser ça comme ça. Oh tu vois j'ai des gros bras, seigneur, mon dieu. Je vous explique, vu que moi je suis une fille dispersée, je croyais que je voyageais. Deux jours avant même le jour que je voyage, vous voyez. Alors que non, je voyageais le jour, je voyageais le lundi et moi dans ma tête je croyais que je voyageais le samedi. Donc je voyageais même pas, dans ma tête c'était même pas dimanche en fait, c'était samedi, ça veut dire l'été. Et moi mon vol il était à Bordeaux parce que les aéroports à Paris en ce moment c'est la grève de fou malade, il veut pas les décider en vivant. Bon, bref, j'ai dû prendre mon vol à Bordeaux. J'ai fait l'aller-retour deux fois le Mont-Bordeaux parce que j'avais oublié mon passeport. Et que bah, depuis le Covid et tout, il y a certaines réglementations qui font en sorte que, bah, enfin, bref, on a son passeport. Quoi. Et bref, la 3CM, je ne comprenais pas ce qui m'est arrivé. Genre. Dites-vous que, heureusement que c'était même pas le jour que je devais voyager. Genre. Heureusement que c'était le jour. Enfin, c'était un jour avant. Et du coup, je me suis dit, à un moment, je me suis dit, est-ce que j'annule tout? À un moment, je me suis dit, est-ce que j'annule tout et que je retourne après, pour un jour plus tard? Après, je me suis dit, ça sert à rien, de toute façon, je serais pas remboursée ni le vol, ni la chambre, ni rien du tout, ni les activités que j'ai prévues pour ici. Donc, à un moment, je me suis dit, nique, c'est pas grave, je vais faire l'aller-retour. Et voilà, j'ai dépensé plein de la thune pour faire l'aller-retour pour un passeport qui ne vont même pas vérifier. Vous savez quoi? Je vais faire mes sourcils et je vous montrerai pas parce que ça va mettre du temps et je vais sortir pour aller un peu visiter la ville parce que depuis j'ai pas visité, enfin de toute façon je suis arrivée aujourd'hui, mes cils sont trop bizarres, je vais mettre mascara sur des fossiles mais je crois que ça ne suffit pas donc je vais commencer de me maquiller et tout et de me coiffer. J'ai pas ma cire du coup, j'ai des cheveux qui dépassent un peu mais bon bref, j'ai porté une petite robe trop mignonne de chez Bershka, je vous montre ça tout de suite. J'essaye de me mettre bien et tout. Donc là, je vais mettre mon parfum en déo. Je vais raconter ça pour vous. Il me faut d'abord une matrix. Oui, il est que midi. Dites-vous, j'étais censée avoir ma chambre à 15h, mais finalement ils sont trop sympas et ils m'ont fait plus vite. C'est prêt. Par contre, ça fait tout blanc. J'ai ça. Donc, mon petit parfum. Mon câble de téléphone, parce que ma batterie externe, quand j'achète, je lui dis,
fois la décharger. De la crème sur les yeux. De la crème sur les yeux. Ah ouais, j'en ai. J'en ai mis dans ça, de la crème sur les yeux. C'est que de la crème solaire. Oui, écoute. Oh là là. Donc voici ma petite tenue. Vous êtes un peu perdu. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé avec mon téléphone que je sais plus comment faire. Et là, j'ai des petites sandales blanches comme ça. Attends. Donc les girls, j'ai une petite robe comme ça, c'est une Bershka avec mes petites sandales blanches comme ça et mon sac assorti à ma robe. Donc on va l'acheter une batterie externe parce que j'en ai besoin. Avec ma petite carte, soy mucho mucho perdido, je sais pas comment ils disent les Italiens, mais je me suis très perdue. Je sais pas du tout cette rue amène où, mais non, on va faire ça. Je sens que je commence à être perdue. Je commence vraiment à être très perdue. Il faut descendre tout le long. En fait, je me demande où est-ce que je peux trouver une batterie externe. En fait, je suis sortie juste pour ma batterie. Non, je suis pas sortie juste pour ma batterie externe, mais genre en mode. Ça fait partie de ma motivation d'aujourd'hui. Du coup, là, j'ai grave soif. Et bah, y a un truc comme ça. Genre. Alors, c'est un mini market. Bonjour. Bah, c'est juste que je sais dire en italien, c'est bonjour. Moi, c'est un micro. C'est 100 euros. Do you have sans contact? Card? Oui. Yes. Du coup, j'ai finalement acheté cette batterie externe parce que mon téléphone n'est pas en train de décharger. Faut que je charge mon téléphone. Ah, ils vendent du faux. Je sais même pas si vous m'entendez. Ouais, là, je suis trop tentée d'acheter plein de trucs alors que ma valise, elle est déjà pleine. Ma valise, elle est déjà pleine. Il y a un Victoria's Secret ici, mais j'ai envie d'acheter plein de trucs, sauf que ma valise elle était déjà archi pleine. Ça veut dire que je vais devoir payer un bagage en soute. Mais ça va, je vais quand même payer le bagage en soute. I've been thinking about good times, so tell me all your worst lies. I'll believe them if I try. Du coup, là, je suis rentrée. Oula. Il fait tellement chaud. Du coup, là, je suis rentrée, il fait tellement chaud, je vais allumer la clim. C'est terrible, il fait trop chaud. Je vais un peu dormir, parce que sans vous mentir, ça fait des jours que j'ai pas dormi. Mon visage est su carrément, genre, vous voyez, est-ce que vous voyez, genre, comment mon visage est su? Comment vous voyez aussi me maquiller, je vais attacher mes cheveux. Je les ai attachés comme de la merde. Je voulais aller à Bershka, mais je me suis dit... Après, je vais taper en somme, je vais dormir et après ça, si je me réveille tout, bah, je sortirai pour visiter encore la ville et tout. Parce que là, et ça fait deux jours que je dors pas, ça se voit pas, hein, mais ça fait deux jours que je dors pas. Thank you.